Ça va, David? Baruch Hashem. Que des bonnes nouvelles, que des merveilles pour toute l'humanité. Amen. Donc, on va aborder le Siman Zayin, le septième. Chapitre. Oui. Des Bnei Noir. Le titre, c'est les mitzvot des Bnei Noir qui ont été doublés dans les 10 commandements. L'écoute et séchot, recueil des discours du Rabbi, partie 2. Page 670. On a D'accord. Même une référence. Donc c'est la parole du roi pour l'humanité. Pour l'humanité. Le Baal HaTorim, commentateur de la Torah, dans l'Exode chapitre 20, verset 13. Donc dans le deuxième livre de la Torah, Shemot. Shemot, dans lequel nous venons de rentrer. Il a écrit que les 620 lettres qui sont formées dans les 10 commandements. Il y a 600 lettres dans les 600 dans l'énoncé en fait des 10 commandements en hébreu. Voilà, il y a 620 lettres. Extraordinaire d'ailleurs. Il dit là-bas qu'ils correspondent aux 613 mitzvot des Juifs, des enfants d'Israël. Et cette loi des Bnei Noir, des 7 lois noachides. Incroyable. Et là-bas, il pose la question, mais comment peut-on dire ça puisque les 7 lois des Bnei Noir ont déjà été incluses dans les 613 lois. Ce ne sont pas 613 plus 7. Les 7 lois en question font partie des 613 lois des Bnei Israël. D'accord. Donc comment peut-on les rajouter alors qu'on devrait les... On les a déjà. On les a déjà. A priori. Voilà. La réponse que le Rabbi donne. On aurait pu donner plusieurs avis et explications là-dessus. Mais la vérité, c'est que la question ne se pose déjà pas depuis le départ. À la base, il n'y a pas de question. Parce que même dans le compte des 613 lois, on ne distingue pas 613 sujets global différent, parce que dans les 613 lois, on peut avoir plusieurs lois sur un même sujet général. D'accord. Par exemple, les lois de l'idolâtrie. Il y a plusieurs mitzvot positives et plusieurs mitzvot négatives. Pourtant, c'est un même sujet. Dans le même sujet, il y a plusieurs mitzvot, plusieurs lois. Et à plus forte raison, concernant les 7 lois des Bnei Noir, des 7 lois noachides, ils ont des ordonnances spécifiques et qui sont à distinguer dans les choses essentielles des mitzvot même qu'il y a dans les 613 lois des Bnei Israël qui sont comptées à part. C'est-à-dire que lorsque l'on demande aux Bnei Noir d'accomplir 7 mitzvot qu'on pourrait penser que les Bnei Israël ont à accomplir aussi, puisque ce sont les mêmes interdits, les ordonnances et les spécificités que l'on doit donner aux Bnei Noir, elles sont différentes des spécificités que l'on doit donner aux Bnei Israël, et donc elles sont à compter à part. Donc ce ne sont pas 606 plus 7 que l'on rajoute aux Bnei Noir et aux Bnei Israël, ce sont 613 lois pour les Bnei Israël et 7 lois pour les Bnei Noir, d'accord ? D'accord. Qui sont à distinguer des 7 lois, les mêmes 7 lois pour les Bnei D'accord. Israël. Ça veut dire qu'elles sont vraiment celles-là pour eux. Pour les Bnei Noir. Pour l'humanité. Oui. Extraordinaire. Alors voilà, on partage. À suivre pour la Géoula. Bezrat Hashem.